Lucie. Bonjour Thomas. Bonjour. Question très simple pour commencer. Est-ce que Marquinhos va continuer en défense centrale de cette je ne vais pas dire maintenant parce que on joue demain et bien sûr c'est aussi une question qui intéresse beaucoup Ole Gunnar Solskjaer et je ne peux pas dire. Benjamin Juarez. Bonjour Thomas. Bonjour. Après le match contre Leipzig, vous nous aviez dit si on doit jouer bas à Manchester, on jouera bas mais j'ai confiance. Est-ce que ce sera quand même le plan demain de jouer plus haut sur le terrain et d'avoir peut-être un peu plus le ballon quand même? Pardon, c'est, encore s'il vous plaît. Après le match contre Leipzig, oui. Vous nous avez dit exactement si on doit jouer bas à Manchester, on jouera bas mais j'ai confiance. Est-ce que demain le plan sera quand même de jouer plus haut et d'avoir un peu plus le ballon? Oui, mais c'était aussi les plans contre Leipzig, mais c'était pas possible pour nous pendant ce match. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est si le jeu demande ça, on doit trouver des réponses sur le terrain. Et pour ça, c'était pas un grand déçu la performance contre Leipzig parce que c'était le match où c'était pas possible pour nous de contrôler avec le ballon. Et pour ça, c'était absolument nécessaire de trouver des solutions défensivement. C'était très, très bas. C'était trop bas pour notre attente. Mais c'était nécessaire. Si on a la qualité, la confiance, le momentum demain pour prendre le ballon, c'est la meilleure chose possible pour nous. Quand même, on doit toujours être vigilante parce que Man U, ils sont une des plus fortes équipes en Europe avec les contre-attaques offensives. Mais s'il y a des minutes où c'est nécessaire de jouer bas, de défendre bas, on bloque. Voilà, on doit faire, on doit répondre aux demandes de jeu. Et on va essayer de contrôler, on va essayer de gagner les possessions parce que ça c'est le match, le style qui donne nous beaucoup confiance, mais Man U, ils ont beaucoup de qualité, on va répondre aux questions du match. Adrien Vicente. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce que la peur de l'élimination pèse dans les têtes et est-ce que vous ressentez la pression et comment on s'y prépare mentalement? Oui, mais on a senti la même chose honnêtement, franchement, contre Leipzig aussi. C'était clair, c'était une victoire obligatoire. Demain, ça dépend un peu du résultat du Leipzig à Başakşehir avant. Mais c'est clair, la situation est possible qu'on arrive à Old Trafford pour gagner. C'est un des plus grands challenges du monde d'arriver en Old Trafford en Angleterre pour gagner, pas pour avoir un bon résultat, non, pour gagner. Mais ce n'est pas impossible et on va préparer ça. Qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer On va préparer tactiquement, bien sûr aussi mentalement, et on va essayer d'influencer l'équipe dans toutes les choses possibles pour être libre et en même temps discipliné, pour être prêt, pour faire un grand combat, pour être prêt pour jouer avec confiance et montrer la solidarité, ce qui est nécessaire de surmonter cet obstacle. Damien Degouer. Bonjour Thomas. Dimanche matin, après le match contre Bordeaux, vous avez dit à vos joueurs dans le vestiaire que vous ne voyez pas le même état d'esprit, vous ne perceviez pas le même état d'esprit qu'à Lisbonne. Est-ce que pour vous, c'est juste un problème d'état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Paris? Ah, je suis très surpris parce que je n'ai pas vu que vous êtes dans les vestiaires dimanche matin. Pour moi, c'est un grand surpris que vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a parlé. Non, ce n'est pas seulement une question de l'état d'esprit. Il y a plusieurs raisons.
pourquoi c'est pas facile pour nous. Plusieurs, peut-être trop. La situation est très compliquée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de raisons. On a parlé beaucoup de cette raison. Voilà, maintenant on arrive comme dans un match contre Leipzig, dans une finale en groupe. Maintenant on arrive dans une finale à Old Trafford. Mais j'ai vraiment l'impression que nous ne sommes pas ici pour prendre des excuses. C'est à nous de montrer les meilleures choses possibles. Et c'est possible de gagner ici. C'est un grand, grand, grand défi, un grand challenge parce que c'est Man U, c'est Old Trafford et l'équipe est super forte. Et c'est pas seulement une manière d'état d'esprit, mais c'est bien sûr aussi une question. Christophe Remise. Oui, bonjour coach. Deux petites questions. Une, on a déjà eu un point médical sur les absents. Je voulais juste savoir si Marquis, Kaylor et Lévin, qui étaient incertains, peuvent débuter ce match. Et la deuxième chose, je voulais savoir ce que vous inspirez ces retrouvailles avec Edinson Cavani, qui n'avait pas pu jouer évidemment au premier match. Oui. Il était décisif pendant les dernières mi-temps contre Southampton, c'est sûr. Il a montré sa qualité, sa cœur, sa détermination et sa qualité dans les surfaces adversaires. Ce n'est pas une surprise, on connaît bien et on doit trouver des solutions contre lui, c'est sûr. Première question, pendant cette saison, c'est un peu difficile de faire des points médicaux avant un entraînement. Hier, on a perdu malheureusement Pablo Sarabia avec une petite lésion. Et pour ça, je veux dire, maintenant, je pense qu'on peut jouer avec Lévin, avec Kaylor et avec Marquinhos. Et j'espère que ça reste comme ça. James Cooper. Hello, Thomas. Sorry. Hi. Apologies. It's easy to make it difficult in Manchester rather than being in Paris. Excuse me. Marcus Rashford has come up with two incredible moments in the last two games for Manchester United against Paris Saint-Germain. We value him here in England because of what he's done off the pitch and on the pitch. How do you look at him and how is he perceived perhaps outside England and the UK? We value him also very much when he plays in England, not in Parc des Princes, honestly, because this gets a little bit annoying with him, the last two performances. But the guy is, I feel like, a very young adult who takes his responsibility off and on the pitch. Very impressing, honestly, very impressing. I feel him. I know I met him three times as an opponent. Every time I meet a calm guy. I meet a humble guy. I meet a nice person, which is amazing because I like this kind of mixture a lot. And for me personally, sportive side is clear. He's a big threat with his speed, with his ability to score, with his precision in finishing, with his determination and his quality in finishing. He's very precise in shots off the box, in the box. He is super rapid on counterattacks, strong in the air for headers. So it's a big impact and. It's nice to see guys like him from the academy having such a big impact in a big club like Man U. If I could have one more question, if that's okay. Sure, let me do an interview. You talked about Edinson Cavani as a player and a person. He's had a difficult day because of what he put on social media. I'm not on social media. He came out with a racist term, which he said was an affectionate term. He's apologised for that.
It was more asking him what sort of a person he is, because clearly he was upset by what he'd done because he didn't realize it was a mistake. Oh, I'm surprised, because I know Eddie as a calm person, determined on the pitch to help the team, which is in this determination a rare characteristic for a striker of his quality, always ready to do everything for the team, big physical impact. Scoring comes very natural for him, and it's reliable 24/7. Can call him in the night, and he will be there to score, to defend, to score, and to defend. Happy for him personally that he showed this. He could show this to all Man United fans in the last game against Southampton, where it was absolutely decisive for them. He does not need to show us tomorrow, we already know, so he can do a little pause. It's not necessary to show us. If we will play, we need to find answers for that, it's clear. Benjamin Quarez. Rebonjour Thomas. Rebonjour. Près d'un an que Kylian Mbappé n'a plus marqué en Ligue des Champions. Mm. Serait bon qu'il retrouve le chemin des filets demain, et comment vous expliquez cette période un peu plus difficile pour lui? J'ai attendu cette statistique il y a une heure, et j'étais très surpris. Je ne peux pas expliquer, parce que Kylian, il a tous pour marquer sur tout le niveau, et bien sûr aussi en Ligue des Champions, et c'était un grand surpris. Peut-être que c'est une bonne occasion pour finir cette période. C'est trop long pour nous. C'est aussi une autre raison pourquoi on a seulement 6 points. Parce que c'est difficile pour lui de marquer. Pour nous, je ne peux pas expliquer, parce que, comme je dis, il a tous, il a la qualité, la personnalité et l'expérience. Pour être décisif, et voilà, on va essayer tous pour lui pousser dans le meilleur niveau possible. Dernière question, Fabrice Hawkins. Oui, bonjour coach. Oui, bonjour coach. Est-ce que vous avez j'imagine que vous avez suivi de très près les performances de Bruno Fernandes. Quel regard vous portez sur ses performances, sur sa qualité? Oui, c'est impressionnant, parce qu'il a eu une grande influence dans le match et dans l'équipe de Man United, et dans un club comme Man United jusqu'à première minute. Et ça, c'est exceptionnel, parce que c'est pas normal. C'est une grande différence dans les cultures, dans les caractéristiques. En Portugal, il était très très fort. On a à Sporting. On a observé lui pour quelques saisons, et il a toujours amélioré, pas seulement sportif, mais aussi avec sa personnalité. Il était capitaine au Sporting, il était toujours le gars qui a fait des choses, qui a pris responsabilité sur le terrain, un vrai leader, et il a montré jusqu'à le premier match pour Man United sur ce niveau-là. Il est un joueur clé pour eux. Et voilà, on va essayer tous pour trouver des solutions contre lui. C'est comme je dis, c'est un des joueurs clés, mais voilà, c'est pas lui seul qui monte cette équipe, mais un des gars clés. Merci beaucoup.